Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On fait comme à notre habitude un point à la mi-semaine. Maintenant, on ne va pas se mentir, cette semaine, on l'avait bien dit dans le brief hebdo, tout tourne autour de la réunion de Banque Centrale euh, aux États-Unis ce soir à 20h et la conférence de presse surtout à 20h30. C'est là, à mon avis, que ça va bouger, pratiquement pas autour des 20h, si ce n'est des mèches pour aller chasser les gogoles. Il ne faut pas nécessairement oublier qu'on a aussi deux gros rendez-vous demain au niveau de la BOJ et de la BOE. Alors, la BOE attendue... Euh, avec une hausse de taux qui risque d'être assez conséquente. Le... Donc on va voir un peu ce qu'il en est. Euh, le marché, là, marque un forecast à 50 points de base. Il est fort probable que la BOE monte de 75 également. Donc c'est plus à ce niveau-là qu'on risque de voir éventuellement un petit peu de différence. Là où ça posera peu de problèmes, mais on peut avoir des surprises, c'est au niveau de la BOJ aussi euh, euh, demain matin. Donc à surveiller tous ces trucs-là. Il euh, n'y a pas que la Fed, hein, et c'est ça que j'aimerais donc vous faire comprendre encore une fois. On va regarder sur les graphiques, donc on va parler sur tout ça aujourd'hui parce que bon, on ne va pas se mentir. Regardez d'un point de vue technique. Euh, avant un rendez-vous de politique monétaire où il y a autant de crispation et d'attentes, et surtout, donc, on va dire, la volatilité pour, pour moi, c'est juste de dire il y a de différents acteurs de marché qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y en a qui voient on va se manger 100, 125, euh, 150, j'ai vu, enfin, n'importe quoi. Euh, ça paraît assez peu probable, mais encore une fois, l'écart type de ces probabilités-là, Enfin, de ces, de ces projections-là est tellement large que c'est sous cette forme-là, en fait, que ça devient très difficile d'obtenir une grande confiance dans un résultat plus qu'un autre. Il y a des gens qui disent Non, c'est n'importe quoi, on va tout casser, il faudrait redescendre à 50. Bon, ça paraît très peu probable. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui disent Il faut commencer à taper plus fort, 125, 150. Donc. Moi, je table toujours sur celle qui a le plus de chances de se produire parce que le marché me le dit et que je vous dis, je préfère suivre ces modèles-là plutôt que d'écouter les narratifs. Ce modèle-là me dit 100 points de base, ça paraît assez peu probable. 75 paraît bien plus raisonnable et logique. Et on va essayer donc de voir les intérêts que ça va produire. OK? Donc, comme on l'a dit, pour moi, il y a différents facteurs à mettre en perspective avant de blablater comme un débile sur les taux. Euh, donc, juste de dire, déjà, on n'est plus dans l'environnement dans lequel on était au précédemment, c'est-à-dire la Fed était en train de remonter les taux toute seule, il n'y avait qu'elle. Donc, non, là, depuis cet été, on a vu l'amorçage des rehausses de taux euh, sur la BCE. Donc, Pareil, on parle d'une grosse masse monétaire, etc. Bon, la BE avait déjà commencé, mais ça accélère aussi. Bref, la Fed est plus toute seule. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Le principal problème, nous, qu'on avait sur beaucoup de marchés, en tout cas moi personnellement, sur les stratégies spéculatives que j'ai et les expositions de portefeuille, le dollar a été vraiment le gros gros point noir du fait de cette politique très agressive aux États-Unis et, on va dire, un plus en retard encore chez certains autres pays qui a effectivement favorisé ce repli très très fort sur le dollar, etc. etc. Donc la question qu'il faut se poser, ce n'est pas de savoir si la Fed va casser l'économie, faire tonquer le, 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 le marché-action, est-ce que tout va s'écrouler, etc. Non, la question qu'il faut se poser, encore une fois, c'est une question de, de, de ce qu'on appelle le target rate, c'est-à-dire la, la fin. Du truc. Ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que le marché n'en a rien à foutre de ce qui se passe maintenant. Le marché, là, il est au moins en train de targeter à peu près ce qui va se passer pour Mars. Donc la question, ce n'est pas de savoir euh, si on va manger 175. La question, c'est de comprendre qu'on est à un point crucial où il peut y avoir une bascule entre deux scénarios qui sont radicalement en opposition. D'accord Alors, bon, pour moi, il y a le scénario de ceux qui disent Ah non, on est déjà trop, trop loin. À 3,25, on est au-dessus des anciens sommets historiques des Fed Funds Rate. Je vais vous les montrer en hebdomadaire. C'est pas normal. Voilà, il est grand temps, là, de s'arrêter. On, on met que 50 et c'est bon, on a fait le travail. Ou 3, 3,25. Donc, faut pas oublier aussi d'autres choses dont on avait déjà parlé, c'est-à-dire que. Rappelez-vous, quand on était à peu près par là, quand Jérôme Powell commençait son cycle d'accélération, hein, quand on est passé à des 50 puis 75, Jérôme Powell avait bien dit, et je vous avais dit, attention, il faut savoir lire le, le discours d'un banquier central. C'était une information très claire pour une fois, c'était assez rare d'ailleurs, où il avait dit, le marché anticipe correctement les volontés de la Fed. Donc je pense qu'on arrive sur les niveaux où la Fed, justement, va commencer, non pas à pivoter du tout, hein, je ne parle pas d'un pivot, les gens ne comprennent pas que la Fed ne va pas s'arrêter comme ça là. D'accord C'est vraiment, on va aller chercher à piloter ce truc-là en fonction de ce que va pouvoir nous laisser en forme de tolérance le marché des taux. Bon, et évidemment, comme on l'a dit, avec toujours le risque qu'au bout d'un moment, ce mécanisme-là couine un petit peu, c'est-à-dire que les taux passent temporairement sous l'effet de fund rate. Mais comme on l'a dit, ce ne sera pas dramatique. Je pense clairement que dans un environnement stagflationniste, il y a des probabilités de croisement. C'est vraiment si on a un démarrage très puissant à la baisse qui nous annoncera dans ce cas-là que ce qu'il y a à suivre, c'est que bah, la Fed va devoir rattraper les taux à 10 ans, c'est-à-dire recasser les taux d'intérêt euh, des Fed Fund Rate. Et là, pour le coup, c'est là où immédiatement, normalement, le marché s'écroule. Donc, vraiment, si on parle de crise déflationniste, il faut savoir que c'est ce modèle-là hein, qui est euh, le modèle référent des traders obligataires. À savoir, d'abord, il y a un croisement. Normalement, le croisement se fait dans la phase de plateau, c'est-à-dire, en fait, on a un plateau des taux d'intérêt, on a le 10 ans qui se maintient au-dessus, puis on a le croisement du 10 ans, ça, donc c'est le signe, attention, on vend tout. Là, c'est le moment où normalement le marché action fait son sommet ou a déjà fait son sommet et commence à amorcer des phases de déleveraging de plutôt puissants, et derrière, dans un second temps, intervient la euh, baisse de taux d'intérêt de la Fed, et là, normalement, c'est là que le marché s'écroule. Euh, donc, vraiment. Attention encore une fois à ces modèles. Maintenant, comme on l'a dit, ça, ce sont les modèles des dépressions. Le modèle dans lequel on n'est pas en stagflation, c'est plutôt effectivement ce modèle-là où les taux vont monter proportionnel à l'inflation. Donc il s'agit de penser qu'à mon avis, le plus normal, c'est effectivement pas un soft landing, mais de dire les taux vont driver la politique monétaire. Tant que les taux monteront, la politique monétaire aura tendance à suivre, tant que l'inflation, qui est plus élevée, n'arrivera pas à croiser. L'objectif de la Fed, c'est ça, c'est d'obtenir une inflation, d'accord Et eux, ils regardent le taux PCE. Et il faut surtout croire, comprendre un truc. La Fed ne regarde pas le taux PCE. Maintenant, la Fed regarde le taux PCE parce qu'on appelle les six months inflation swaps. Ils sont pas basés sur le PCE ni sur le CPI. D'accord, c'est juste des contrats, des produits interbancaires qui permettent aux, différents, euh, aux différentes institutions financières de se couvrir contre les variations de taux de change dues à l'inflation. Donc, c est, c est, enfin, bref, ils se couvrent à des swaps d'inflation pour être plus tranquille sur leur taux interbancaire. Donc, ce qu'il s'agit, c'est donc de voir que c'est ni plus ni moins qu'un pari, entre guillemets, sur ce que pensent les institutions bancaires et financières sur le niveau relatif de l'inflation dans six mois. Et ce qu'on voit, c'est que ces swaps d'inflation coûtent de moins en moins cher, traduisant effectivement le fait que les anticipations d'inflation à horizon 6 mois sont toujours en train de baisser. Donc ça veut dire que les professionnels de la finance, bon, ils peuvent se planter, hein, et comme on l'a dit, ils se plantent de toute façon assez régulièrement sur les fins de cycle. Donc loin de moi l'idée de dire « ces gars-là savent et ils vont se gaver », etc. Mais juste de dire « pour l'instant, à partir du principe qu'ils vont se planter, ça reste quand même, à mon avis, un pari assez dangereux ». Donc, ces gars-là voient l'inflation baisser. Donc, il y a bien un moment donné où, comme on l'a dit, les taux d'intérêt vont se positionner au-dessus. Parce qu'il y a également, je dis chez les professionnels, les mêmes produits qui servent à parier, entre guillemets, enfin couvrir des risques sur les, les échéances de taux. Et aujourd'hui, ce qui les intéresse surtout, ce sont les échéances de taux à début mars. D'accord donc, essayez de comprendre pourquoi. Parce que je vous l'ai dit, septembre, mars, ça fait à peu près six mois. Et c'est ça que le marché a toujours en général en termes de visibilité. On est toujours à peu près en train d'essayer de savoir où on pourrait être dans six mois et de hedger les différents risques en conséquence. Donc, ce que nous dit le marché interbancaire pour l'instant, c'est que dans six mois, on voit toujours l'inflation plus basse qu'aujourd'hui. Et effectivement, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le final target rate à horizon mois de mars. C'est ça que le marché essaye de savoir. OK et donc aujourd'hui, ce qu'on va avoir, c'est-à-dire si on mange 100 points de base, ce qui nous attend probablement, c'est cette courbe-là que je vous ai mis en pointillé, d'accord Qui nous amènerait donc normalement au mois de mars à 5% de taux d'intérêt, d'accord La deuxième courbe, celle dans laquelle on n'aurait que 75 et dans l'hypothèse où on aurait 50 derrière, nous donnerait, pour moi c'est celle qui me semble effectivement la plus probable, ça nous donnerait 4,50. Donc déjà, il s'agit de voir... Pardon, ça nous donnerait 4,25. Donc 4,25... Et 5. Quelle est la différence entre les deux bah, La différence, c'est que de toute façon, on finira par arriver au 5, à mon avis, fin 2024, sans aucun problème. C'est pour moi la target finale. On l'avait dit, pour moi, les deux niveaux d'équilibre sont vers 4,50 ou vers 5,50. Donc la question qu'il faut se poser, c'est soit on finit à 5,50 dès mi-2023, avec cette courbe-là, et après plateau. Mais comme on l'a dit, attention, le plateau, vous savez ce que ça fait. Ça fait que le 10 ans se trouve au-dessus, puis dès qu'il croise... On se pète la gueule et les Fed Funds vont suivre. Et là, on a un risque de récession déflationniste. D'accord Donc, ça, c'est vraiment, il faut faire attention. C'est la possibilité number one. L'autre possibilité, bah, comme on l'a dit, c'est de venir ici et constituer un plateau vers cette zone-là ou entre les deux. Et à ce niveau-là, d'essayer de maintenir effectivement un niveau d'inflation relativement élevé. Comme on l'a dit, on ne sort pas de la stagflation en matraquant avec le gros coup de marteau pour mettre de la déflation. Sinon, là, on finit tout de suite en dépression. Le problème, c'est que pour sortir de la stagflation, comme on l'a dit, il faut attendre que les problèmes systémiques qui nous ont entrés dans cette situation stagflationniste se résolvent. Particulièrement, donc on l'a dit, supply chain, etc. Donc, ça, c'est le message. C'est de dire, si la Fed croit toujours dans ce truc de soft landing, à mon avis, il vaut mieux baser sur un 4.50 avec un pilotage derrière de type asymptotique, c'est-à-dire ben, on reste derrière sur, on colle 25 points de base, une réunion sur deux, tant que le taux à 10 ans continue de monter. Et on se laisse donc piloter par le taux à 10 ans qui est supposé, normalement, aller chercher lui-même le point de croisement de l'inflation. Pourquoi ben Parce que tout simplement, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à acheter de la dette américaine avec un rendement net négatif. Conpr concrètement, c'est stupide d'acheter des produits de taux. Donc normalement, on est supposé trouver aucune demande sur les produits euh, euh, type dette d'État américaine. Bon, le 10 ans, c'est vraiment la référence qu'on prend. Mettez-vous à la place d'un investisseur. Vous avez de l'argent. Vous avez de la liquidité. Vous savez pas quoi en faire. Et normalement, il y a une allocation légitime au bon du trésor dans votre portefeuille. Mais là, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Le, le, le bon vous paye, 4%, enfin, vous paye 3%, alors que vous savez que l'inflation va probablement rester relativement élevée pendant plusieurs années. Que le standard d'inflation à 2%, il est probablement mort, qu'on va probablement monter à 4%. Donc le minimum que vous allez demander pour justifier de mettre du pognon dans la balance, ça va être 4%. Donc c'est de comprendre que pour l'instant, on a la Fed qui réduit sa balance sheet, donc qui vend des contrats de taux, et aucune demande sur ces contrats de taux. La plupart des professionnels savent que l'inflation, elle rebaissera probablement plus en dessous de 4%, qu'on va rester relativement élevé parce que c'est ça l'environnement stagflationniste. On ne pourra pas. En dessous de 4, ça coûtera très très cher parce que ça va détruire l'économie. Essayer de baisser l'inflation sous les 4%, on l'a vu dans le déplacement de la courbe de Phillips, ça demandera le, au taux de chômage de monter de pratiquement du double. On va passer de 5% à pratiquement 10%. Tout ça pour essayer de gagner deux points d'inflation Ça fait aucun sens. Encore une fois, il s'agit de voir des trade-offs dans la balance. Donc moi, il me semble que clairement, la politique la plus rationnelle, c'était « bon, ok, on est à la bourre, donc oui, on doit se manger un resserrement très très sec, et après, on a donc ce qu'on appelle une « tail end », c'est-à-dire qu'on continue de piloter à vue en fonction de, de l'évolution de marché ». Et en fonction surtout donc de l'évolution de l'inflation. Le but étant simplement, non pas de ramener l'inflation basse, mais d'avoir une inflation inférieure au taux d'intérêt. Voilà le simple mécanisme. Et comme la Fed était clairement à la bourre, bah là oui, il fallait manger une forte pente d'accélération. Donc le gros questionnement du 100 points de base, comme on l'a dit, mis à part des volontés politiques, c'est-à-dire pour moi, si la Fed met 100 points de base, c'est qu'elle veut envoyer un message. Euh, ah ouais, vous avez cru qu'on allait bluffer, bah on ne va pas bluffer, etc. Bon, pour moi, ce serait une vraie erreur de politique monétaire. Parce que comme je dis, il y a l'aspect la, politique monétaire et il y a l'aspect politique politique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit ou qu qu'on laisse sous-entendre qu'on va éventuellement faire mais rien ne dit qu'on va le faire. Ça, c'est la politique. Et on a l'autre côté, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on fait Donc, moi, je pense que d'un point de vue concret, ce serait stupide d'envoyer 100 points de base, en tout cas pas très intelligent, euh, et ça ferait prendre des risques, effectivement, au niveau de la crédibilité de la Fed chez les professionnels. Donc, plutôt de dire, attention, il me semble que de toute façon, le fameux, donc, terminal rate à horizon Mars se situe, comme prévu, à mon avis, vers les 4,50, la question, c'est comment on y va il y a plein 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 de modulations comme je vous dis, on peut faire donc très agressif puis d'un coup on pivote parce qu'on a fait casser quelque chose dans l'économie ou justement on évite de péter l'économie, on y va doucement et après on pilote à vue. Bon, moi vous connaissez mon, mon schéma préféré, maintenant il va de soi que tout ceci est soumis évidemment à des réajustements. Donc, il s'agit de comprendre qu'aujourd'hui il y a déjà un premier point de friction assez important, et on en avait parlé, ce point de friction il est que, si je devais vous schématiser un peu tout ça, alors je vais essayer de vous le faire comme ça au moins vous verrez. Ok. C'est-à-dire que si là on mangeait 100 points de base au lieu de 75, bon déjà ça veut dire que le 10 ans euh, serait quasiment déjà à ce prix-là. C'est-à-dire qu'il faut absolument maintenant euh, que le taux à 10 ans continue de monter immédiatement après la hausse de taux, sinon bah, comme je dis risque de croisement, même si ça peut tricoter un peu, mais ça ferait déjà prendre un premier risque, d'accord mais ce qu'il s'agit de comprendre, c'est surtout la dérivée seconde, comme je vous dis, c'est-à-dire le rythme. En soi, le rythme de hausse de taux, en termes de points de base divisé par nombre de jours, on n'a pas vraiment de ralentissement si on a 100 points de base. On est juste dans la poursuite, ce qui laisse toujours, encore une fois, la possibilité de manger 75, etc. Et dans ce cas-là, si on mange encore 75 derrière, ben ça veut dire on est toujours dans cette phase de ligne droite, dans laquelle on ne sait pas ce que la fête fait. Le rythme n'accélère pas, mais en tout cas, il ne ralentit pas. Donc, on reste toujours dans l'expectative. Si on mangeait 100 point de base à mon avis ça recule d la possibilité de voir le marché vraiment casser des résistances à décembre d'accord alors que dans le cas échéant si vraiment on mange 75 points de base le marché n'est pas du tout sûr qu'on va pas reprendre 75 derrière d'accord c'est-à-dire revenir au même point, mais par contre, il faudra confirmer par 50. Et ici, si on a 50, dans ce cas-là, toutes les attentions du marché et la possibilité de casser des résistances enfin, c'est-à-dire au moins d'être tranquille sur le dollar, ça se remettrait au mois de novembre. Voilà tout ce que je à moi personnellement. Tout ce que je vais y avoir aujourd'hui, c'est que je sais que j'aurai confirmation du modèle du fameux target, final target rate, d'accord mais je ne l'aurai pas, dans ce cas-là, avant décembre, si on a 100 points de base. Je ne l'aurai pas avant novembre, de toute façon, la confirmation. Hein. Mais le marché, je vous rappelle, va anticiper. Et on est très loin des résistances. Donc si on regarde les indices maintenant, pour juste se baser par rapport à ça, les indices boursiers sont bien dans une zone d'achat. Donc comme on l'a dit, c'est ici que les gérants professionnels, enfin les gens qui savent ce qu'ils font, vont prendre le risque de se planter. D'accord en au pire, on mangera un stop-loss, mais on sait très bien qu'on va payer par là. Donc. Essayer de payer par là ou un petit peu plus bas, puisque, comme on l'a vu, en 4 heures, on a toujours les alertes de volatilité qui durent à peu près jusqu'au début du mois d'octobre. Donc, pour ma part, ça dépend juste de ce 100 points de base. Si on a 100 points de base, on risque d'avoir de la volatilité, puisque, comme on l'a dit, c'est là que l'incertitude sera maximale derrière et on n'aura plus de confirmation, donc pratiquement plus de visibilité avant le mois de décembre. Donc, ça veut dire, effectivement, on risque de manger à une baisse et puis de revenir à la moyenne et puis d'attendre, je dis, ce fameux mois de décembre, puisqu'on sera toujours dans l'impossibilité de casser une résistance de façon durable avant. Dans ce cas là ça veut dire maximum d'incertitude. on peut éventuellement aller retester le point bas précédent, peut-être glisser un peu dessous mais concrètement ça va pas aller bien au delà de ça. Et on attendra du coup de voir les hausses de taux suivantes pour confirmer le modèle du final target rate. Ok voilà l'option numéro 1 du 100 points de base, ça baisse mais c'est pas la fin du monde, on vient chercher les bandes de Bollinger probablement et puis on se stabilise mais dans ce cas là il n'y aura pas de cassure de résistance avant probablement le mois de décembre. Le cas des 75 points de base à mon avis il est beaucoup plus haussier puisque comme on l'a dit ça sera réglé normalement par le 2 novembre et on aura le corps PCE au milieu qui de préférence sera pas trop mal. Dans ce cas là ce qu'on risque d'avoir c'est un retour à la moyenne et effectivement plus rien avant le prochain FOMC qui viendra soit confirmer soit... Infirmé, et dans ce cas-là, retour bad range. C'est-à-dire que si là, derrière, on mange 75 ou 100 points de base, ça ne va pas plaire au marché. Si derrière, effectivement, on mange que 50, le marché pourra donc projeter. Son final target rate, et on aura normalement, à mon avis, aucun mal à aller chercher les bandes de Bollinger supérieures, et donc proximité des ATH. Quand je vous ai dit ATH, je vous rappelle encore une fois que les rendements nets des actions ne sont pas non plus dans la stratosphère. Hein. Il s'agit de comprendre que certaines actions ont perdu 80% en ligne droite euh, dans un environnement inflationniste. C'est la double punition, hein, c'est-à-dire que la base de valeur de, de monétaire est détruite, et en plus de ça, vous perdez du capital à cause de la baisse des actions. Donc, il faut juste revenir rationnel, c'est de dire, là, retourner à l'ATH, d'accord, un an plus tard, avec euh, 8% d'inflation, ça revient à dire, de toute façon, vous avez déjà perdu 8% de valeur. Hein. Voilà. Donc, encore une fois, comme on l'a dit, on ne parle pas de détruire de la valeur aujourd'hui, mais juste de comprendre que c'est de l'érosion de la valeur par l'inflation. Et que normalement, s'il y a un rendement net de la, de la croissance à zéro, c'est-à-dire bah, toute, toute la croissance qu'on produit est détruite par l'inflation, normalement ça fait monter le marché action et ça ne fait pas baisser parce que l'inflation encore une fois elle est visible à travers les rendements des entreprises. Bref, bon, tout ceci évidemment c'est peut-être paraître un petit peu compliqué donc je vous fais un petit résumé avant la fin. L'essentiel c'est vraiment de comprendre que c'est une histoire de timing. Selon ce qu'on va avoir aujourd'hui, si on a 75 points de base, le marché risque de le prendre relativement positivement mais pas d'euphorie avant le novembre, avant le 2 novembre et le prochain rendez-vous du FOMC qui viendra soit confirmer soit clairement maintenir le rythme des 75 ce qui posera pas nécessairement problème, mais empêchera, à mon avis, le franchissement des résistances. Sauf si on a des améliorations sur d'autres terrains. Hein, comme on l'a vu, il y a plein, plein, plein d'inquiétudes aujourd'hui dans le marché, la guerre en Ukraine, etc. Donc, soit il va falloir des améliorations ailleurs pour permettre au marché de franchir, mais en l'absence de ces dernières, on n'aura pas d'informations supplémentaires au niveau du final target rate. Donc, le marché risque de refuser de passage de résistance. OK Il faut vraiment constituer ça, hein, comprendre que là, pour l'instant, sur des supports, la seule chose qui peut se passer, c'est soit ça déraille. Hein, il nous envoie 150 points de base. Là, on encule, tout à la à, on encule tout au sud, on va à 3003. Minimum, mais bon voilà, ça paraît assez peu probable. Donc restons rationnels. Pour l'instant, le marché est survendu sur des supports au niveau des canaux de tendance avec des creux ascendants. Donc pour ma part, c'est plutôt on va viser des cassures de résistance après. Mais je vous dis, l'ambiance morose fait qu'on attendra probablement le mois de novembre à condition d'avoir que 75 points de base. Et si c'est 100 points de base, et bah, il faudra probablement être encore plus patient, ça veut dire bah, toujours pareil, des marchés actions très hachés, un dollar qui fait chier, qui est construit, tu déranges, mais qui n'arrive pas à bouger plus que ça. Et à côté de ça, toujours pareil, hein, des cryptos qui resteront assez moroses. Voilà un petit peu toutes les possibilités que moi j'envisage. Après, bah, comme je vous dis, euh, je regarderai tout simplement ce que M. Powell va nous faire. Voilà, ciao, ciao